Comme il est mignon, comment il s'appelle? Sophie. Oh, c'est comme ma fille. Oups. Xavier Serron, ça va? Ouais, ça va bien. Vous savez comment il s'appelle? Jean-Luc. Le chien. Enfin, ton deuxième long métrage est arrivé, Chienne de vie. Ta particularité, c'est quand même d'être un réalisateur qui déploie un humour corrosif, un humour absurde. Ça te semble bizarre, on n'a pas encore couché ensemble, mais je cherche quelqu'un pour partager mon appart. Et puis le loyer. Le seul problème, c'est ton chien. Comment t'es venu l'idée de faire Chienne de vie? Moi, j'ai grandi avec des chiens. Mon premier copain, c'était un teckel avec lequel je partageais mes tartines. Donc moi, je suis plutôt un dog lover. En observant même le comportement des gens à l'égard des chiens, que ce soit un comportement on va dire de sympathie ou d'amour extrême, ou à l'inverse, quelqu'un qui en a peur ou qui est dégoûté. En fait, ça parle des gens. C'est ça qui est hyper intéressant.